Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour jouer à Toca Race Driver 2 puisqu'on avait fait le premier, on avait fait le troisième et il manquait quand même un petit dernier, c'était le 2 puisqu'on avait fait aussi le Toca Race Driver Toca Grid aussi. Donc on va voir le 2 sachant que j'ai quasiment jamais joué, donc on va faire un nouveau profil. Alors j'ai, bon c'était juste pour tester évidemment là, on va faire un nouveau profil, donc on a dit, donc c'est la suite du premier. On verra du coup bah, qu'est-ce qu'il apporte comme nouveauté par rapport au premier qui était sympa au niveau de sa carrière, au niveau du nombre de championnats qui étaient disponibles. On va se renommer. Voilà, donc ça c'est facile. On va s'appeler, voilà, on s'en fiche. Done. On va changer la langue. Ah, on peut changer la langue du jeu comme ça. Ok, d'accord. En fait, c'est pas la nationalité, c'est juste la langue. Ok. On pourrait mettre la nationalité. De toute façon, on s'en fiche. Allez, cette fois-ci, on va être... Égyptien. Alors, on va être islandais. Pourquoi pas, hein, après tout. Donc, du coup, commencez. C'est parti. Alors, on va directement être lancé dans le move. Je vais baisser un peu le son du jeu. On va passer à... Voilà, moins comme d'habitude, pas trop fort. Et donc c'est parti, on est déjà lancé dans le vif du sujet avec une Ford GT sur le circuit de Laguna Seca. Donc on a, bah on va commencer directement, on va voir, bon, au niveau des vues, pour l'instant on a une vue embarquée qui est plutôt bien réalisée, regardez. On a une vue pas mal... Bon derrière ça tape un petit peu mais... donc on a une vue intérieure qui est plutôt belle, j'aime bien cette vue parce qu'on est juste devant le volant, donc on a vraiment une belle... Une vue dégagée, on a l'impression d'être dans le cockpit quand même, donc ça c'est plutôt sympa. Alors si je gagne la course, est-ce qu'il va me dire que je suis nul quand même ou pas? Souvenez-vous, dans le 3, on faisait un tour de... Même, je crois que Toca Race Driver c'était pareil. On faisait un tour, il nous remontait en vidéo qu'on avait fait n'importe quoi, et du coup, voilà, il expliquait qu'il fallait apprendre à conduire en gros. On va voir si ce sera le cas aussi. C'était quoi ça? Tu nous as fait quoi là? J'ai fini deuxième. Tu es là pour gagner des courses, mon gars. Pas pour jouer aux auto-tamponneuses. Bon, ça. Si tu veux des échantillons de peinture, va faire un stage dans le bâtiment. Ça m'évitera de frôler la crise cardiaque. Allez la chercher, les gars. Ah, pas trop grave. Quelques heures de boulot et elle sera comme neuve. Pour l'instant, petit, tu as du potentiel. Mais c'est à peu près tout. Si tu veux réussir en Master Grand Prix, il va te falloir deux choses. Devenir un pilote averti et avoir plein d'argent. Bon, si tu veux bien me suivre. Voilà mon bureau. On a tout ce qu'il faut ici. Télé, simulateur de bord, système de fichiers pour programmer ta prochaine course et, si tu veux admirer le paysage, regarde bien ceci. Ici, c'est l'endroit où on se trouve. Et voilà où on veut arriver. Tu peux y arriver en 8 saisons. Ça fait 24 championnats de suite. Mais pour l'instant, il faut continuer à rapporter des primes d'arrivée. Bon, on commence par quoi? Voilà, donc un système un petit peu à la Toca Race Driver promis du nom, puisqu'on va pouvoir choisir nos championnats, voir par quoi on commence, etc. Et surtout, j'imagine que on pourra pas faire tout dès le début, il va falloir débloquer les championnats au fur et à mesure. Alors, on va voir un petit peu quand même les options. Parce qu'on est obligé de faire ce mini tuto en fait pour commencer le jeu. Donc on vient de le finir, ça c'est bien. Alors le pilotage par exemple, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir la vibration. Mode de conduite, simulation pro. Les joueurs qui ont accès à un volant habitué aux simulations intenses. Ok. Bon, j'ai pas de volant donc on va laisser quand même notre simulation de base. On va faire un peu comme le jeu nous propose dès le début. Au niveau des graphismes, on va se mettre en kilomètre heure, je préfère. Info sur la course, carte, indicateur de virage pour le rallye, oui, ça il le faut. Bon, on va le laisser par défaut.
ça va pas s'embêter. On a les codes, évidemment. C'était le fort de Codemaster à l'époque. Mettre des codes un peu partout dans le jeu, et c'était en général assez intéressant. Et au niveau du son, moteur commentaire studio stéréo, on va laisser comme ça. Ok, bon, enfin c'est du classique, hein, y a pas de... Pas de truc extraordinaire. On a les modes de simulateur qui, à mon avis, permettent voilà, d'avoir tous les autres modes de jeu. Donc course libre, contre la montre, le multijoueur en réseau, oui, parce qu'on pouvait jouer en réseau sur la PS2, je pense que vous le savez quand même. Il fallait avoir une PS Steam qui avait déjà le port Ethernet disponible, ou rajouter un slot d'extension sur la PS2 FAT pour pouvoir connecter sa console au réseau et rejouer et jouer des gens contre des gens sur Internet. C'était pas mal. Pouvoir contre la montre, retour. On va faire continuer la carrière. Bah écoutez, on va faire la carrière, hein, comme ça au moins on va découvrir le maximum de choses. Donc on a un championnat pour l'instant disponible. Donc soit le Mustang Challenge, soit le Convertible World, je ne sais pas, je n'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué. Donc, objectif de la saison, établissez un score élevé pour remporter une prime de 100 000. 100 000 quoi, on ne sait pas. Dans le doute, on va dire 100 000 roubles. Essayez de trouver de nouveaux sponsors, montez sur le podium afin de vous qualifier pour les courses rapportant le plus de l'argent. Ça c'est pas l'objectif en championnat. Oui, je suis bête, c'est marqué en dessous. Donc Convertible World Tour et Mustang Challenge. Donc bon, écoute, on va faire, allez, on va faire la Mustang. Et on a du coup deux courses à faire, Road America et Laguna Seca en ensoleillé sur deux tours. Donc bon, pourquoi pas. Ah, ça c'est intéressant. Durée prévue du championnat, 9h11. Il y en a le nombre d'adversaires. Il y en a 19. Et je crois que c'est plus que sur la première version, il n'y en avait que 16. Que 16, entre parenthèses. Et ben c'est parti, on va lancer ça. Et là, on va aller à Road America et Laguna Seca. Donc c'est logique, hein, championnat Mustang aux États-Unis, donc des circuits américains. On va découvrir un petit peu cette Ford Mustang d'époque. Et oui, donc je disais, il y a cette vue-là. Il y en a une du capot, une extérieure. Et on aurait dû démarrer. Voilà, j'ai oublié de démarrer, c'est génial. Et du coup, oui, on est 20 sur la piste, c'est normal, puisque bah, 19 plus moi, ça fait 20. Pas de vue arrière, j'ai l'impression. Si, vue arrière. Bon, je découvre le véhicule, donc pour l'instant, je ne sais pas s'il tourne bien ou pas. Donc le but, c'est de faire des podiums ou remporter le championnat. Bon, on va essayer d'emporter le championnat, bien sûr. En tout cas, Red River, ce qui était bien à l'époque, et ce que les gens adoraient, évidemment, c'était évidemment la gestion des dégâts, qui était quand même plutôt réussie pour l'époque toujours, même si ça c'est un petit peu... C'est devenu assez classique au fur et à mesure. Par exemple, il y a un bout de pare-choc qui était en plein milieu de la piste. Et un virage en angle droit, on va essayer de prendre l'intérieur. Voilà. Bon, j'ai coupé un peu, mais j'ai pas touché, donc c'est bon. J'aime vraiment cette vue, elle est vraiment bien adaptée, je le redis. Les vues intérieures avec le volant, c'est sympa, ça oblige à faire un cockpit. Là, ils ont été malins, ils se sont dit, on a beaucoup de voitures à modéliser. Les cockpits, on verra ça plus tard. Le concurrent Gran Turismo, parce que c'est un petit peu un concurrent Gran Turismo d'une certaine manière, bon, pas dans le fonctionnement totalement, mais un petit peu quand même, avec ces multiples championnats, etc. À savoir que c'est le premier Toker Race Raver où le rallye est implémenté d'ailleurs. Comme un peu le Gran Turismo 2 à l'époque, enfin sorti plus tôt, mais qui avait attendu le deuxième opus pour intégrer le rallye. Et du coup, je sais plus pourquoi j'ai dit ça, c'est pas grave. Donc il y a pas mal de. Voilà, c'est un petit peu estiré un peu la bourre entre les deux licences pour améliorer les choses. Et Gran Turismo, bah, il a fallu attendre quand même Gran Turismo 5 pour avoir des vues cockpit, parce que Gran Turismo 4 n'en avait pas non plus. Et donc on peut dire que Toka à l'époque était en avance à ce niveau-là, et puis même, de toute façon Toka était en avance depuis le début, puisqu'en 97, quand ils avaient sorti le tout premier Toka Touring Car, il y avait déjà les vues embarquées, donc bon. Mais là, disons que l'idée, c'est le fait de ne pas afficher le cockpit. On est quand même dans la voiture, mais ça leur a vite d'afficher plein de polygones avec le volant, et toutes les commandes, etc. Et les contours. Donc là on a deux tours, on est troisième pour le moment, ça se passe plutôt bien. On va essayer de prendre l'aspiration, comme il l'a dit dans le tutoriel, puisque bah, à certaines vitesses on peut prendre l'aspiration. On a un petit spotter qui nous indique quoi faire. Bah en gros oui, il va nous donner quoi faire, il nous indique de gagner quoi, enfin je veux dire
On dirait le spotless useless de Ferrari, quoi. C'est un peu la même chose. Donc voilà, on va suivre la carrière d'un pilote. Comme dans le 1, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence à ce niveau-là. Et comme dans le 3. Alors après, peut-être que l'histoire se finira différemment que les autres. On avait un concurrent à battre, par exemple, un rival dans le 1, je me souviens. Vu que je n'ai pas forcément fait celui-là, je ne sais pas. Et dans le 3, je non plus. Donc, à voir. En tout cas, le maniement, pour commencer à en parler, assez précis, honnêtement. On voit la répartition des masses aussi, enfin, on la sent bien. On sent quand ça commence à perdre du grip. On n'est pas en simulation pro, vous l'avez vu, donc je pense qu'il y a moyen de faire encore plus réaliste. Mais c'est très très agréable à conduire. Je m'attendais à un pot de yaourt, un savon incontrôlable, comme souvent les américaines, de toute façon. Mais là, ça va, bon. On ressent quand même qu'elle n'est pas forcément bien maintenue dans les virages, mais ça passe bien. Et le bruit est cohérent. Le son de la voiture est cohérent aussi, ça c'est bien. C'est un peu du caméra. Voilà, voilà la petite Mustang, 8 devant. Regardez, elle est propre, hein. On l'a pas esquinté. Ce qui est totalement étonnant pour Ditoka. Et donc, pour revenir aux dégâts, donc ouais, ils sont bien faits visuellement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, bah, comme dans le 1, on a des dégâts mécaniques. On n'avait pas dans d'autres. Avant le Grand Turismo. Et du coup, bah voilà, c'est un jeu qui est assez complet quand on aime la simulation automobile. Alors évidemment, on est sur PlayStation 2, j'ai oublié de le rappeler, bon, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Donc c'est un peu plus... voilà, il n'y a pas d'anti-aliasing, le jeu est plus pixelisé, les textures sont moins précises que sur PC, par exemple. Je crois même que le jeu est sorti sur Xbox, si je dis pas de bêtises. Donc ça doit être plus joli sur Xbox aussi. Mais en soi, le jeu est propre. Plutôt bien fait, quand même. Continuer, voir rediffusion, abandonner. Bon, on va continuer. Et donc il nous met le classement, donc on était 20, effectivement, voilà. On leur a mis combien de temps en avance quand même? Ouais, 2 secondes, c'était pas tant que ça. Mais c'était assez propre. Et du coup, pour l'instant, bah, on va donner le résultat maximal. Je m'attends un petit peu sur les musiques, qui sont sympas. J'avais bien aimé les musiques du 3. Je n'ai pas trop de souvenirs du premier. Mais ouais, c'est un parti pris musical qui est... Bon, il est ce qu'il est, hein. On aime ou on n'aime pas, il n'y a pas trop de... Vous savez, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Mais moi, je trouve ça plutôt bien. Et là, j'ai encore calé. Non, c'est bon. Oh là, non. Par contre, j'ai vraiment pas tidé. On l'a vu en première. C'est pas... Et oui, voilà, exactement. Il m'a dit, contrôler les gaz. Ah oh là là là. Pour manger les flageolets, essayez de bien imiter vos gaz à la fin. Alors du coup, on est dixième. Laguna Seca, on l'a déjà fait à moitié, puisque c'est dans le tuto. Bon, inutile de dire que ce sont des circuits officiels. Voilà, donc ça c'est bien aussi. Avec, bon... En tout cas, si on doit comparer Laguna Seca à la réalité, est-ce qu'il est dans le jeu là, on est très proche. Bon, maintenant il a changé, bien sûr, hein, le circuit il a changé. Il a évolué avec le temps, mais... Au niveau du tracé en lui-même, il n'y a plus de changement, donc il ressemble quand même beaucoup à ce qui était à l'époque. Ouais, il faut être peinard, il faut être tranquille. Alors, ce que je me souviens, c'est que dans Tokyo Race Driver 3, le mode rallye était pourri. Enfin, honnêtement, les spéciales de rallye avec la MG, il y avait d'autres voitures à débloquer, évidemment, en mode rallye, mais je sais qu'on commençait, c'était avec la MG ZR. C'était nul, mais d'un nul. Alors je me pose la question, là, si le mode rallye sera un peu mieux ou pas. Ce qui serait paradoxal en soi, puisque comme c'est la première fois, j'imagine qu'en général, t'es censé corriger les défauts dans la deuxième mouture. Là, on verra. Entre les deux? Ouais! Allez, ça passe. Oh là, magnifique. Allez, je vais vous offrir un petit tour. Sans trop parler, on va faire le tour jusqu'au bout. Et je vais rien dire.
Et voilà, donc c'est réussi pour cette deuxième course. Tu te débrouilles bien, t'es... Dommage qu'il y ait si peu dans la tirelire. Belle course. Non, merci. Quoi, non, merci? Quoi que vous vendiez, non, merci. Eh, Scottish, si vous la fermiez un peu et que vous laissiez votre copain s'exprimer lui-même, Kat Silva, c'est un honneur. Un agent sportif, elle veut te coacher. Laissez tomber, on est indépendant. Et je n'ai jamais entendu parler de vous. Et personne n'a jamais entendu parler de votre gars non plus pour l'instant. Puis quoi? On débute tous les deux et on a du potentiel. On a des factures à payer, nous. Exactement. Il vous faut de l'argent. Alors voilà le deal. Je vous ai observé. J'aime votre façon de piloter. Et si vous marquez dans le prochain championnat, je devrais pouvoir conclure un accord. Quel genre d'accord? Je travaille dessus. Bon, en matière de course, Monsieur Irving connaît parfaitement son affaire. Mais en ce qui concerne l'argent, c'est mon domaine. Merci pour le verre, Scottish. Vous êtes toujours aussi gonflante ou vous nous gâtez? J'aime m'incruster. Ok. Donc oui, vous l'avez compris, on n'a pas beaucoup d'argent au début, comme beaucoup de pilotes finalement dans la vie de tous les jours, hein, puisque j'avais lu l'article, je crois qu'il y a 0,2% de chance d'arriver en F1 par exemple. Ça fait pas beaucoup, mais bon, en même temps, 20 places pour je ne sais pas combien de milliers de gens qui pratiquent le sport automobile dans le monde. C'est évident que c'est pas facile, et si on rajoute au fait que c'est très cher, bah oui. Alors, on a de la Formula Ford. Alors ça, par contre, on rejoint quelque chose qui existait depuis Toka 2. Toka Touring Car 2. C'est la Van Diemen, je sais plus comment ça s'appelait, là. Formule Ford, bref, c'était les mêmes modèles. Donc on va faire la Formula Ford. On aura Houlton Parcours et Vallelunga. Et c'est parti. Et 6 minutes seulement. Wow, encore plus court. donc on a de l'argent, donc ça c'est bien. Houlton Parcours, Vallelunga, on l'a déjà dit. Et on va lancer direct. Alors là, je pense que le maniement va être totalement différent, en tout cas, je l'espère. Et là, du coup, on va en Europe. Plutôt bien réalisé, d'ailleurs, au passage. Et j'ai encore raté mon départ, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Alors là, on a deux vues. Alors, je sais pas quelle vue on va garder, mais en tout cas, pas celle de l'extérieur. Je suis pas très fan des vues extérieures, vous l'aurez compris. Parce que c'est des vues, bon, certes faciles en termes de visibilité, mais pas du tout en termes de précision. Pour être sur les trajectoires, c'est pas facile. À l'intérieur, on va essayer d'être propre. J'ai décidé, cette année, moi, président, je ferai attention quand je roule, et je ne ferai pas n'importe quoi, et surtout, je ne serai pas un bourrin. Voilà, votez pour moi. Et surtout, n'oublie pas que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Non, mais en vrai, on va essayer d'être propre. Je vais être propre. Parce que c'est quand même l'intérêt du jeu, c'est que... Toka, ça a jamais été un jeu arcade, en gros. Ça a toujours été un jeu qui a été fait pour les gens qui aimaient le sport automobile, la simulation automobile. Alors, évidemment, simulation, ça fait rigoler. Dans le sens où, bon, maintenant, on fait beaucoup mieux. Mais, pour l'époque, c'était quand même très très bien. Bah, écoute, voilà. Je passe à droite et à gauche et je double. On prend l'aspiration un petit peu. C'est assez sympa, en plus, les formules à Ford. Bon, moi, ce que j'aime pas trop avec ces séries, c'est très bête, hein, mais... c'est visuellement, comme elles ont pas d'aileron arrière, je sais pas, ça fait cheap, en fait. Oh là, je suis parti avec lui, je crois. Magnifique. Bon, ça va, ça passe quand même. C'était tout droit ou pas? Je sais même plus. Comme il y avait un plot qui était en plein milieu, je pensais qu'il fallait tourner dans la chicane, mais non, c'est tout droit. Donc oui, c'est un jeu, voilà, c'est vraiment un peu plus simu, comme Gran Turismo. Tout ça, je fais souvent le comparo, vous inquiétez pas. Mais il n'y a pas que Gran Turismo, il y a aussi Forza, à ce moment-là, qui existait, etc., qui était très bien aussi. Forza, qui est un jeu que, comme je dis, j'aimerais faire, mais pour l'instant, je ne peux pas. Voilà, on verra un jour. Bah écoute, oui. Bon, non, j'arrête finalement, la carrière, j'aime pas, je gagne tout, c'est nul. Ah non, et ben voilà, il suffit que je dise ça, je pars. Non. Aïe, oh bah ben là, oui, ouais. Souvenez-vous ce que j'ai dit il y a 30 secondes. Ça
Oh, je suis de la tristesse là. Ah, je suis dégoûté. Je me suis raté à la réaccélération. Mais c'était, c'est réaliste. C'est vraiment réaliste. J'ai rien à dire en fait. C'est, je me suis raté, j'ai accéléré. Tu as les parties de l'arrière. Enfin quoi. Bon, on va continuer évidemment. On va tenter notre chance avec les Lunga. Ah, comme quoi. Hein. Oui, c'est un jeu. Il faut. Bah, de toute façon, c'est comme tous les jeux de simu un petit peu. Il faut être concentré. Si vous n'êtes pas concentré, vous y arriverez jamais. Oh, peut-être un meilleur départ. Ouais. Oh, le patinage. Elle patine énormément à basse vitesse. Alors là, j'ai dû tapoter un petit peu. C'est-à-dire, j'ai dû relâcher légèrement pour reprendre l'accélération. Ça a moyennement marché, mais un peu plus que tout à l'heure quand même. Alors, Vailunga, que je ne connais pas. J'ai le souvenir d'avoir roulé dessus, mais je crois que c'était sur Air Factor. À l'époque où je faisais des courses en ligne sur des championnats de F1, voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai eu une période sim racing sur des simulations pures, on va dire. Et de rien. Quand tu veux, si tu veux mon 06 aussi, y a pas de problème. Oui, la réaccélération n'est pas évidente. Et oui, donc du coup, j'ai fait ce circuit-là. Peut-être sur Stokorsa, je sais pas. Oh la vache. Belunga, je crois qu'il est surtout un circuit moto, si je dis pas de bêtises. Ouais, je reprends, mais le niveau de détail est quand même assez convaincant. Alors bien entendu, on est au début, donc le niveau de jeu de l'IA est aussi en conséquence. Faut pas non plus dégoûter dès le début le joueur. Donc bah on n'est pas au max quoi. Après en soi c'est dommage parce que les petites séries comme ça, alors peut-être qu'on peut personnaliser le niveau de difficulté comme on pouvait le faire dans Toka Race Driver 1, dans le mode solo, enfin dans le mode solo, le mode pas carrière. Mais c'est vrai que ces petits championnats, en général, c'est les plus relevés. Le karting. Les petits championnats comme ça, ça a beau être des championnats de premier niveau, enfin de premier niveau d'accessibilité pour les pilotes, mais dans la vraie vie, le karting, si vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas du bon matériel, vous allez vous faire démonter en fait. C'est autant aussi difficile que la F2, la F1, hein. C'est pas difficile, on va dire, en termes... C'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, certes, on n'est pas dans l'élite, puisqu'on n'est pas en F1, F2, etc., mais, en termes de concurrence pure, si vous n'êtes pas un pur talent, c'est mort. Même en karting, enfin... Écoutez, je vous l'ai déjà dit, c'est au courrier. Promis, je vous ai déjà menti. Vous aurez l'argent la semaine prochaine. Au plus tard. C'est juré. Ouais, je sais, au revoir. Merde. C'était pas trop mal débrouillé. J'ai remarqué, hein. Mademoiselle, faites ma confiance, n'est pas venue. Ça, c'est une surprise. Allô? Ah, c'est drôle, on parlait justement de vous. Elle veut parler. Salut, écoutez, je regrette de ne pas être là comme promis, mais j'essaie de ferrer un gros poisson. Accrochez-vous, d'accord? Je vais bientôt avoir quelque chose pour vous, c'est promis. Tout ce qu'elle va te filer, c'est une claque. Tu feras bien de ramener une prime, petit, où on va pouvoir faire les petites annonces. J'aime bien cet aspect un petit peu orienté, bah, j'ai l'impression que l'histoire est un peu orientée sur le manque de moyens, en tout cas le début de la carrière. Mais j'aime bien, ils ont pris un autre thème, c'est assez intéressant, puisque c'est un thème qui est vraiment récurrent dans le sport auto, donc il n'y a pas de... Je serais plutôt bien d'en parler. Eh oui, le sport auto, c'est pour les gens qui ont de l'argent, tout simplement. Alors, on a deux... Oh, on monte un petit peu en catégorie. Là, par exemple, on est toujours en saison 1. Parce qu'apparemment, il nous a dit qu'il y avait 8 saisons, enfin, on est censé aboutir au
au pinacle du sport automobile en saison 8. Donc là, on a le championnat Pacific American Tour ou Seat Leon Super Copa. Alors mon cœur balance parce que autant je préfère la Skyline, voilà, la Nissan que la Cupra, la Seat Leon, pardon. Pourquoi en fait non, pas spécialement, mais bon bref, mais je n'aime pas forcément les championnats américains, donc pour une fois on va faire ça. Et on a trois courses, ensoleillées de 2 et 3 tours, de Huntington Court, Holton Park et Brands Hatch Indy. Et on sera à 19-10 minutes. Voilà, écoutez. Ça c'est parfait, hein. Si pour chaque vidéo je pouvais avoir le temps restant en sachant le nombre de minutes ça va prendre, on serait parfait sur les timings. Bon là quand même, c'est un jeu qui vaut le coup, donc on va en parler un peu, encore un petit peu. Et là, c'est que des Seat Leon, ok. Bon, j'ai essayé de démarrer en étant pas trop en sur-régime, mais elle part tellement vite que c'était pas chose aisée. Et puis aussi, un truc assez particulier dans les Toka, c'est que comme on débute à chaque fois de nouveaux championnats avec des nouveaux véhicules, bah, dès la première course, on connaît pas encore le véhicule, donc pour s'adapter, c'est pas évident. Je suis à l'intérieur. En tout cas, elle est très très incisive. Elle a une bonne accélération. En vrai, elle est plutôt fun à piloter. Bon, on voit que les distances de freinage, les IA, c'est pas trop ça, quoi. Puis je dis ça pour partir dans le décor, mais bon. On va changer un peu de vue. Voilà le véhicule, hein, au passage. Alors par contre, moi, c'est un point de vue personnel, vous en direz ce que vous voulez dans les commentaires, mais je trouve les Seat de l'arrière, en tout cas à cette époque, immondes. J'ai vu des Seat vus de derrière, on aurait dit les AMI 6 ou je sais pas combien, avec le... Vous savez, la vitre arrière qui va pas en fait vers l'arrière, mais qui repique, mais vers l'avant. Il y a un monospace comme ça, je crois, Seat, Altea, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et leur phare arrière, je les trouve, mais immondes en fait. On critiquait à l'époque les coréennes qui copiaient un peu tout niveau design, et c'était pas très beau. Mais alors là, mon dieu. Vraiment, enfin après c'est une histoire de goût, il y a qui vont dire Seat, j'adore ça. Et alors il y a des jolis Seat, hein, c'est pas le débat. Mais alors les phares arrière à cette époque, et encore un peu maintenant, je trouve ça ignoble. D'ailleurs là, bah, là on a une Leon. Leon Cupra, ce que vous voulez, Cupra c'est la marque sportive. Et comme vous le savez, Cupra maintenant est carrément une marque à part entière, un peu comme DS chez Citroën, qui est devenue une marque qui est plutôt luxueuse pour Citroën, alors que ici c'est une marque un peu plus sportive pour Cupra. Bah, c'est comme si BMW en gros se décidait à faire le constructeur M, voilà, M pour dire, bah, pour, je crois que c'est Motorsport si je dis pas de bêtises, pour faire une division juste sportive de BM. Mais comme BM de base est tout, plus ou moins sportif, ça n'a pas trop de sens. Donc on a gagné. On va passer à la suite. Bon, en tout cas, je trouve le jeu un peu plus abouti que Driver 1 en termes d'IA. Le mouvement des IA est un peu plus sobre. Et le maniement des véhicules aussi. On peut être beaucoup plus précis. Souvenez-vous, dans Toka Race Driver, quand on tournait, il y avait vraiment... Waouh, la vache. Il y avait vraiment... Enfin, ça s'est tourné d'un coup. C'était très... Très bizarre. Très bizarre. Là, on peut vraiment être beaucoup plus précis dans les prises de trajectoire. Et ça, c'est vraiment bien. Donc ça a été corrigé. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, à voir, évidemment. Je me souviens encore de la mauvaise expérience sur Toka Race Driver 3. Avec la F1, qui était juste horrible. Mais là, pour l'instant, tous les championnats qu'on a fait, le maniement est plutôt intéressant. On va voir si on aura du rallye pour cette vidéo ou pas. Je suis pas certain, mais je pense que si quand même. Parce qu'ils aiment bien mettre en avant les choses rapidement, donc vu qu'ils ont mis un mode rallye, eh ben, je pense qu'ils vont le faire. Ah, autre chose aussi, on fait les courses, mais on ne règle rien. Pour l'instant, il n'y a pas de setup. Je peux pas modifier les réglages de mon véhicule, comme on pouvait faire par exemple dans Toka Race Driver 1. Alors je pense que c'est juste
pour le moment parce que c'est des petits championnats. Mais j'espère qu'on pourra le faire après parce que, bah, évidemment, quitte à cette simulation, il faut pouvoir régler son véhicule. Allez, le seul défaut de la vue intérieure, mais qui est réaliste en soi, hein, c'est juste un goût, c'est que bah, ça assombrit un peu tout. Ouais. Quand on est en vue extérieure, il fait beaucoup plus beau. D'un coup, ça change. Ouais, mon argent. Ah là là. Ah, ce petit virage en épingle là de. Le nombre de véhicules, enfin je me souviens, le nombre de voitures de BTCC qui se sont tankées au loin là. En essayant de faire une. En essayant de dépasser. Ouais, la chicane, bam bam bam, ça se passe bien. Hop. Donc là, c'est la version longue du circuit. Bon, là, on leur met quand même une bonne avance. Oui, les dégâts, on a un petit peu tapé devant, bon, ça s'est plié, enfin, c'était quand même bien pour l'époque, quoi. En tout cas, je comprends pourquoi beaucoup ont aimé ce jeu, comme le 1, finalement, ou même le 3. Et ça va finir sur Brand Judge Indy. Pour l'instant, on a fait un perfect, ce qui n'était pas le cas... dans les monoplaces juste avant. Alors le départ est très difficile, j'ai vraiment du mal à doser à chaque fois, hein. C'est compliqué. Ah, le premier virage en descente de Brands Hatch, qui est toujours aussi intéressant avec le petit boss là. Regardez, là, il y a devant comme elle a rebondi sur le... Je sais pas pourquoi elle a rebondi d'ailleurs, c'est bizarre, mais bon. On va repiquer l'intérieur, regardez l'IA qui s'est loupé. Ah, ça c'est bien aussi, ça. Ça j'adore quand l'IA fait des erreurs, vous le savez. Ça sous-entend qu'on n'est pas sur des rails, coucou Gran Turismo. C'est quand même beaucoup plus intéressant, du coup. Alors pas forcément faire des grosses erreurs, mais... avoir des changements de trajectoire, par exemple, pas toujours prendre la même ligne. Ça c'est vraiment ce qu'on demande. En tout cas, à partir des années 2000, pour moi, c'est un minimum dans les jeux de course. Avant, c'était un peu compliqué, on était encore sur 16 bits, 32 bits dans les années 90. Donc là... Oula, j'ai pété son aileron carrément. Donc, pouvoir gérer niveau calcul, les trajectoires un peu différentes, etc. Bon, en vrai, on pourrait comprendre l'imitation. Mais depuis qu'on a eu la Dreamcast, Xbox, PlayStation 2, etc., il n'y avait plus trop d'excuses à ce niveau-là. Surtout pour un jeu de bagnole. Sachant qu'un jeu de bagnole, bah, à part les circuits et quelques bagnoles, il n'y a pas grand-chose à modéliser, quoi. À part la physique. Alors que quand on a, par exemple... des jeux comme GTA qui sortaient en même temps, on parle de ville ouverte avec énormément de scripts de partout. Voilà, on est en droit, dans un jeu à cette époque, déjà, d'avoir une IA qui soit un minimum bien faite et pas linéaire. Et j'y arrivais bien déjà dans Tokyo World Touring Car, donc pas de raison. Alors, je serais curieux de savoir combien de véhicules il y a, mais je pense qu'il y aura plusieurs dizaines quand même. Si je dis pas bêtise, je crois qu'ils avaient peut-être quasiment une centaine de véhicules dans le 2. Tu gagnes l'argent en rentre.
Eh oh, je suis pas un portefeuille, monsieur. Ok, je crois qu'on va enfin pouvoir s'occuper de votre carrière. À la nôtre. C'est tout? Ah. Où est le tableau qui était là? C'est le plan. La vintage classique va commencer. Si vous vous débrouillez bien, vous monterez sur le podium et je vous garantis que l'argent ne sera plus un problème. Ouais, c'est tentant, sauf qu'on n'a pas l'argent pour la classique. Je me suis déjà occupée de ça. J'ai aussi en prévision quelques courses funky. Funky? Qu'est-ce que vous voulez dire? Peu orthodoxe. Là, je me méfie. Mais je pense que vous aimerez les primes. Voilà l'occasion de vous faire 80 000. Ça vous suffira? Vous pourrez vous inscrire à la vintage classique. Et ensuite, qui sait? Vous avez peut-être un meilleur plan? Eh ben... Ça me fait peur par contre. Le mot funky dans un toka, ça m'a toujours fait peur. Souvenez-vous les courses en duel sur un véhicule sur Toka Race Driver. Bon, c'était une idée à part, hein, c'était pas foncièrement mauvais, mais ça coupait un petit peu le délire, je trouvais. On va voir ce que c'est, parce qu'apparemment on va le faire avant. Ah non, on est obligé de faire ça, ok. Lightning Truck 500 ou ce... Alors on va faire, alors ça va faire plaisir à quelqu'un de YouTube. De YouTube, oui, exactement. De ma chaîne, qui vient un jour, il faut que tu fasses un championnat sur du camion. Allez pour toi, celle-là. Allez, on a un Ford 9000 sur le circuit de Kialami et Nürburgring-Court. Et on va découvrir les courses de camion. Et pourquoi pas. En vrai, ça existe, hein, les courses de camion. C'est d'ailleurs assez impressionnant et assez intéressant. J'en ai vu, je crois que c'était à l'époque sur Motors TV. Ils ont diffusé. Pas Motors, c'est Motors TV. Waouh, mon dieu, on est dans un camion, les gars. Donc c'est des camions, on va dire... Je sais absolument pas comment ça se conduit, ça. Qui font plusieurs... Bon, là, on peut taper, oui, les 1000 chevaux, on est dedans, hein. Ça change pas. On est vraiment dans les 1000 chevaux. Je pense que je me trompe pas en disant ça, voire peut-être même plus. Donc évidemment, sur la remorque, ça va être pas mal. D'ailleurs, je me suis toujours dit, quand t'es... Mon dieu, je vois rien, je sais pas où je suis. Quand t'es conducteur de camion, que tu passes les trois quarts de ton temps avec une remorque derrière, quand on voit les camions dans la... Quand on voit les camions dans la sur la route qui ont pas de remorque, je me demande l'effet que ça doit faire au pilote, enfin au conducteur, parce que... Le fait de te retirer 30 tonnes d'un coup, je pense que le camion il doit avoir une vitesse, mais enfin une accélération tellement meilleure. Et je me demande s'il n'y en a pas qui pourrait s'amuser à faire n'importe quoi avec. Enfin, ça serait tentant en vrai. Parce que, on va dire, bah, j'exagère peut-être 1000 chevaux pour tous les camions, mais parce que je connais pas les valeurs de base. Mais... Imaginez, bon, il y a 1000 chevaux. 1000 chevaux sur 33 tonnes, bon, ok, effectivement, là, t'avances pas, enfin, t'es là 2 à l'heure. Mais si t'as là, si on prend le poids de ces camions, regardez la vitesse à laquelle on est, quoi, 170 km/h, sachant qu'on enlève... Ouais, bon après c'est du camion, hein, voilà. On va voir un petit peu à quoi il ressemble. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Et la vue très haute, c'est vraiment particulier. Ah bah là, tu le vois, hein, on s'est complètement raté au virage, donc on va continuer, hein. Mais par contre, voilà, autant j'aime bien ça, parce que c'est quand même assez marrant à regarder en vrai. Mais alors par contre, niveau pollution, les gars, on critique la F1, mais je pense que là, on est un cran au-dessus. Hein. C'est comme les moons... comment ça s'appelle les courses où ils doivent tirer, tracter quelque chose, là. Ils doivent tracter avec des sortes de super tracteurs, où on voit là, carrément la fumée noire qui sort de 12 pots d'échappement. Ça, c'est pareil. Hein. Par contre, je crois que c'est un truc qui est assez comment dire, alors vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui marche bien en Suède, ce genre de championnat. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Alors faut pas du tout, hein, parce que c'est juste aux États-Unis. Bon, en tout cas le maniement est très particulier. On sent que en fait c'est pas qu'on est lent, parce que regardez, à la kilomètre-heure on est à 130. C'est juste que comme la vue est très haute, bah, ça pète la pression de vitesse, quoi. Regardez là on l'a. Regardez la différence. En vue du tout. Du ras du sol.
Par contre, ouais, regardez, il y a une sorte de latence quand je pilote, c'est... c'est bizarre. On va arriver dans un virage très rapide. Non, pas du tout, plutôt lent même. Par contre, il va peut-être falloir que je commence à accélérer là, parce que je suis en mode vacances, mais... Et derrière, ça pousse. Ça pousse. Mais je sais pas combien de kilos ils font là, à vide, ces camions. J'imagine qu'ils doivent tout avoir au minimum. Alors non, 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 non. Ah, j'en peux plus, c'est pas possible. Pourquoi au dernier virage, encore une fois? On recommence. On recommence. Ah non, je recommence. Par contre, là, j'ai pas du tout réussi à contrôler. Je suis parti, quoi. C'était fini. Ah, on peut aller sur les côtés, j'avais pas fait gaffe, regardez. Gauche-droite. Ça, on peut le faire, c'est pas mal. Et ça s'éloigne déjà devant. Oh, mais c'est pas possible! C'est pas possible! Faut commencer. Mais je vais pousser par l'IA, tout va bien. Allez, le virage en descente. En fait, ce qui est difficile à juger, c'est le gabarit. Le gabarit du camion. Là, par moi, j'ai l'impression que je lui rentre dedans. Mais en fait, non, on est juste à côté, quoi. Enfin, c'est très particulier. Ah, je suis dégoûté parce que j'avais réussi, bon, pas tranquillement, mais pas loin, à être quasiment devant tout le temps. Et là, d'un coup... Ouais, l'arrière glisse énormément, c'est ça qui est plus difficile. Par contre, c'est paradoxal que ça glisse de l'arrière, parce que regardez, le poids est tout sur l'avant. Donc logiquement, ouais, ça doit pas appuyer sur l'arrière, c'est pour ça que ça glisse. C'est pas tant que les pneus n'ont pas de grippe, c'est que il y a trop de poids sur l'avant. Genre le camion, il pique en fait. Il pique de l'avant. Allez, je m'impose. Qu'est-ce que j'avais dit, moi, il y a 5 minutes de vidéo, déjà. Donc là, c'est bon, on est passé. Le frein, j'étais au taquet, là. Vous avez vu l'accélération, comme c'est compliqué? Oh, je broute complètement. Bon, en même temps, un camion qui... Hein? Ça va. L'analogie avec le tracteur est pas non plus déconnant. Alors, Vodacom, oui, effectivement, enfin, j'ai oublié d'en parler, mais évidemment, le jeu, comme avait bien marché Toka Race Driver à l'époque, ou même Toka, il est assez supporté en termes de sponsoring. Donc, en plus d'avoir des circuits originaux, bah, on a quand même l'univers assez réaliste du sport automobile avec les sponsoring qui va bien derrière. Par contre, les petits drapeaux d'Afrique du Sud. C'est un peu bizarre. Un petit peu sur le côté. Alors c'est dommage parce que regardez, le rétroviseur il marche, mais bizarrement, on voit rien à travers quoi. Ouais, je regarde où ils sont derrière nous. Pas se faire avoir comme tout à l'heure. À nous les 80 000 dollars!
Alors moi, ce que je trouve qui serait encore plus drôle, c'est les mêmes courses de camions, mais cette fois-ci avec la remorque. Ça pourrait être drôle. J'ai déjà vu des courses de camping-car. Ah d'ailleurs, souvenez-vous, dans le 3, on avait des courses de tondeuse. Des courses de tondeuse à gazon. Je sais pas si on en aura là, ici. Bon, en tout cas, on n'aura pas découvert le rallye, mais on aura découvert le camionnage. Et cette phrase n'a aucun sens, mais je sais pas comment dire. Les courses de camions. Par contre, on est d'accord que la dernière chicane, elle est imprenable. Enfin, je tire tout droit parce que j'ai l'impression d'être tellement gros que je fais la taille de la chicane à moi tout seul, donc... Alors, les réflexions sur les... sont très bien faites aussi, sur le véhicule. Je sais pas si vous avez remarqué, regardez, ah, trop tard, je le prends. À l'intérieur, quant au pilote, on voit notre pilote, en trois dimensions, ce qui est bien fait aussi. Mais si vous faites attention, vous reviendrez peut-être en arrière dans la vidéo, mais on va faire continuer. On voit qu'il est fringué comme un fermier. La tirelire se remplit à vue d'œil. Beau travail. Vous savez, si je ne me retenais pas, je vous sauterais au cou, monsieur le roi de la vitesse. Alors elle, je sais pas pourquoi, elle aime l'argent, comme notre manager, mais je sais pas si elle nous aime bien parce qu'on veut lui faire gagner des sous, ou est-ce qu'elle nous aime bien tout court. En gros, je veux pas spoiler parce que de toute façon je connais pas la suite, j'ai l'impression que ça va être une traître, je sais pas pourquoi. on est à combien? On est à 49 minutes de vidéo. J'ai un numbering à faire. Je pensais qu'il y avait qu'une course, donc en fait non. On va faire le numbering et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. C'est quand même pas mal, ça va faire quasiment une heure de vidéo. De toute façon, bah évidemment, vous découvrez le reste par vous-même. Regardez devant, regardez à quoi il conduit. Vous avez vu? Tiens, il porte des bretelles et tout. Enfin, je sais pas si c'est un clin d'œil, mais c'est très bizarre. Ne dites pas qu'en vrai, les mecs dans les camions, ils roulent comme ça. Bon, c'était évident que ça allait mal se passer, hein. Jusque-là, on est cohérent. Le premier virage, je l'ai pas vu. Hein. Apparemment, il y avait une épingle, enfin... On m'avait prévenu au début, hein, mais je sais pas, j'ai dû oublier. Non, en vrai, les points de freinage, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais... ils sont très longs. Enfin, si on freine, on met 2 heures avant que ça freine. Là, j'ai freiné à fond, par exemple, je voulais même pas lui rentrer dedans. On est quand même rentré dedans, parce que j'avais trop de vitesse. J'étais en survitesse constamment. Alors là, c'est le petit Nürburgring. Mon petit Nürburgring. Ah, ça patine énormément. Donc vous avez vu depuis le début, aucun circuit fictif, que des circuits existants dans le monde réel. Alors, la seule chose que je pourrais critiquer au niveau des graphismes, vous voyez les par exemple ici, c'est que ça manque parfois un petit peu de précision sur certains détails. Bon, là, la piste vue très près, ça va. Oh, ah oui, la chicane, ils l'ont complètement muselé, là. Enfin, je veux dire. J'ai calé. Je trouve que ça manque. Les textures manquent un petit peu de détails des fois. Je sais pas. Quelque chose qui... Oui, par exemple, la piste, là, le sol. Très réaliste, très détaillé, pas de problème. Mais autour, au niveau de, par exemple, des collines... Enfin, pas les collines au fond, parce que c'est normal, hein. Les collines au fond, en général, c'est pas détaillé. Mais par exemple, vous allez voir, quand on va être dans le dernier secteur... Là, je vais freiner à fond, parce que... Bah, ça freinera jamais, sinon... Je vais vous dire l'endroit en question, vous allez comprendre. Disons qu'il y a certaines textures qui manquent de détails comparées à d'autres. Alors que ce ne sont pas des textures qui sont forcément faites pour afficher des choses très loin. Très lointaines, parce qu'évidemment, si on affiche... je ne vais pas vous demander d'afficher en 4K le village derrière le circuit, ça n'a aucun sens. Mais vous allez voir, vous allez comprendre. Bon, en tout cas, pour le moment, ça se passe bien. Je vais être franc depuis le début. Bon, à part les erreurs bêtes que j'ai faites, voilà, parce que ça arrive.
Pour l'instant, c'est pas trop dur. Pour l'instant, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Je pense que ça augmentera plus tard, mais pour le moment, disons qu'en une heure de jeu, c'est prenable pour tout le monde. Hein, même si vous n'êtes pas très très fort en sport auto, si vous avez un minimum patient, ça passe. Vous voyez, ouais, les textures, là, ici, à droite. Vous voyez là, bah, je les trouve pas très fines. Voilà. La petite critique que je peux avoir. Mais bon, ça va. Hein. Le jeu, honnêtement, si je devais mettre une note, là, je lui mets un 17 direct, parce que bah, pour l'instant, tous les véhicules qu'on a conduits ont leur spécificité. C'est des véhicules différents, il faut gérer la physique différente. L'IA, pas mal aussi. Les graphismes en soi, ils sont quand même bons aussi, pas déconner. Même si je les trouve un petit peu en dessous de Gran Turismo. Mais ça va. Enfin, en globalité, c'est un très bon jeu. Hein. Je pense que je vous apprends rien. Mais j'apprécie ce jeu parce que, au global, bah, il est bon. Voilà. Et on a gagné. Et je pense d'ailleurs qu'on va s'arrêter là-dessus. 53 minutes de vidéo. Je vous dis en général, j'essaie de rester dans l'heure parce que après, c'est trop long. Après, il faut faire des lives. Que ce soit pas trop grave. Alors, on va faire continuer juste pour voir la petite cinématique. S'il y en a. Non, il n'y en a pas. Alors du coup, on peut participer au Vintage Classic Challenge, qui consiste en 3 courses de 4, 2 et 3 tours. Et liste des véhicules, alors il y a des endroits que je roulais avec une Jaguar Type E, mais on a une DB5 et une Mustang 68. Mais ça sera pour plus tard. En tout cas, donc j'ai bien apprécié le jeu, je pense que voilà, il vaut toujours le coup, même à l'heure actuelle, honnêtement, je trouve qu'il se défend super bien. Donc si vous n'y avez jamais joué, bah, jetez-vous dessus, parce que c'est une petite pépite quand même. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde !